Salut à tous, c'est Monster Tiger. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tuto d'une maison japonaise dans Minecraft. Du coup, nous allons prendre les blocs pour la construction. Nous allons prendre du bois pour commencer. Pour commencer, nous allons prendre du bois. Donc, prenez du bois de sapin. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas de bois de sapin, bah, faites comme vous pouvez. Mais moi, si vous êtes en créatif, utilisez le bois de sapin. Ensuite, vous utiliserez les blocs, nouveaux blocs de la nouvelle mise à jour. D'accord, pourquoi ça monte, pourquoi pas. En dalle, nous allons utiliser cela là. En bloc, nous allons utiliser ces blocs là. Et en escalier, nous allons utiliser les mêmes, mais seulement, voilà, comme ça. Du coup, là, nous avons le toit. Maintenant, nous devons chercher juste les derniers blocs qui sont le bloc de béton blanc qui va nous permettre de faire les murs. Enfin, on va utiliser du quartz lisse. Voilà, c'est mieux. Et ensuite, nous allons récupérer du sapin, des planches, enfin plutôt des planches, des dalles de sapin. Je ne sais plus où est-ce qu'ils sont. Voilà, des dalles de sapin. Du coup là, nous avons à peu près tout ce qu'il nous faut. Il nous manque aussi un baril. Un petit baril et des trappes. Mais on verra ça plus tard. Est-ce qu'on prend les trappes? On prend pas les trappes. Du coup, vous allez commencer par faire un cube de 1, 2, 3, 4, 5. Vous laissez 3. 1, 2, 3. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, les 3 du milieu, ça sera pour passer. Ce sera le petit escalier, mais j'ai pas encore les dalles, donc on va les choper après. Du coup, vous faites ça pareil ici. 1, 2, 3, 4. Du coup, vous êtes à 5. Vous laissez un 3 de libre. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Du coup là vous avez la maison, comment elle va être à peu près grande. Du coup la maison elle fait du 13, enfin du 12 plutôt, excusez-moi. Ah non, du 13, j'ai rien dit. Du coup la maison elle fera du 13, mais on va augmenter la taille pour le porche. Mais bon, déjà maintenant vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Faites des poteaux de 5. Là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, t'es grand mort. Et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Maintenant, vous remplissez dans l'intérieur. Je vous laisse. Moi, je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve après l'ellipse. Du coup, après l'ellipse, on a rempli ça. Du coup, maintenant, nous allons faire les murs. Ici, vous pouvez les... on va faire d'abord... Non, plutôt d'abord, on va faire le... l'extérieur. Donc vous faites 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Du coup 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Enfin plutôt 1, 2, 3 ici. Ça sera la même chose, c'est toujours symétrique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du coup là ça sera le porche avant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc voilà, maintenant vous remplissez ce porche, mais vous n'oubliez pas de pas mettre ici de bois. Ici vous allez faire comme ça. Basiquement, ça sera comme ça partout. Et ici, vous remplissez. Là, vous pouvez remplir maintenant. Voilà. Donc, voilà. Comme ça. Ça doit faire ça partout. Donc, je vous laisse après l'ellipse. Du coup, après l'ellipse, vous devez avoir un truc qui doit ressembler à ça. Maintenant, vous allez faire les coins. Si vous les avez pas déjà fait. Voilà. Ça, je vais faire avec vous. Parce que c'est assez court à faire. Voilà, vous allez faire ça comme ça. Voilà, déjà là on a toute la partie du bâtiment. Donc, voilà, vous avez ça. Ensuite, nous allons passer à l'extérieur. Donc ici vous allez mettre des barils. 1, 2, 3. Et là vous allez faire pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. Voilà. Du coup ici vous allez mettre un mur. Donc... Vous allez remonter un poteau. Tac, tac.
Tac, tac. Du coup, vous faites la même chose des quatre côtés. Du coup, après l'ellipse, vous allez avoir beaucoup d'ellipses du coup dans cette vidéo parce que vu que c'est quasiment toujours la même chose des quatre côtés, bah, je vais faire pas mal d'ellipses. Du coup, ici, vous encadrez votre corps, voilà, comme ça, et vous laissez juste deux. Voilà, vous faites ça comme ça. Faites ça comme ça et ça vous le faites des quatre côtés. Du coup, je vous retrouve après l'ellipse. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va passer au reste du bâtiment. Du coup, pour le reste, vous allez mettre partout au-dessus. Vous allez faire un mur comme ça. Là, vous allez poser au sol et on va tourner comme ça autour. Tac. Tac. Ça a lâché. Tac, voilà. Comme ça, vous avez un joli truc. Juste mettez, faites ça de deux. Parce que moi, j'ai dit de faire de trois. Et vu qu'on va mettre le plafond par-dessus, cassez juste ça. Parce que c'est plus joli. Voilà. Ensuite, ici, nous avons le premier étage. Du coup, nous allons faire ça comme ça. Vous allez poser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez faire 5 plutôt. 4, 5. Des 2, des 4 côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Nickel. Et 5. Voilà. Du coup, vous allez remplir le plafond. Avec, comme d'habitude, du bois de chêne. Du coup, je vous retrouve après l'ellipse. Du coup, après l'ellipse du plafond, enfin du toit du coup, vous allez faire un poteau ici. On va faire ça comme ça. Vous allez faire un petit poteau ici. Donc, hop, monter à la même hauteur que l'autre. Et du coup, ça des quatre côtés. Du coup, ça, je vais faire le tour avec vous. Voilà, on fait un petit poteau, vous laissez juste un au niveau de la descente pour faire le bâtiment et pour faire les trucs. Donc voilà, et voilà. Du coup, ici vous avez à peu près la base du bâtiment qui est grosso modo le principal. Du coup, maintenant on va commencer par faire les premières descentes, on va dire, en toit. Du coup, on va faire tout le tour avec ce bloc. Voilà. Ensuite, vous allez continuer avec une dalle juste en dessous. Nickel. Et ensuite nouveau un bloc à nouveau. Maintenant on va faire techniquement comment on peut faire ça. On va, pour l'instant on va rien faire du tout. Oui, on va faire des dalles. Maintenant on va utiliser ça. Du coup, ça va être très très pratique pour faire le toit. Du coup, vous allez faire on va faire un autre truc parce que, alors là, si on fait ça comme ça, réfléchissons. Déjà, vous allez faire vous allez monter le mur d'un bloc là. Déjà, ça, on va faire ça comme ça. Vous allez le remonter, voilà, comme ça, c'est prêt. Ici on va casser ça, on va mettre des blocs à la place. Donc désolé, mais voilà, ça va être un petit peu plus bas le bloc. Voilà, ensuite vous mettez un bloc comme ça, tatata. Faites tout le tour en bloc de pierre. Voilà. Nickel. Du coup maintenant, on va juste, voilà, mettre ça comme ça. Du coup maintenant, vous avez le premier, on va dire premier toit. Du coup, on va mettre ça comme ça.
dalle. Voilà. Nickel et nickel. Ensuite ici il va aussi avoir des dalles. Voilà. Des dalles. Et des dalles. Nickel. Du coup, vu que vous avez fait ça, alors on va juste éviter d'avoir des dalles doubles. Voilà. Maintenant, on va passer au milieu. Du coup, le milieu, là où il y a le trou, on va dire, vous allez mettre un bloc comme ça. Ça, vous allez poser ça là. Ça, poser ça là. Ça. Là, vous allez essayer de choper un bloc comme ça, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, en dessous, vous allez mettre... Ah, ça marche pas. Mais vous allez mettre des blocs pour faire des blocs. Parce que de base c'est pas un bloc, c'est un demi-bloc. Du coup vous allez mettre partout. Vous allez transformer tous les trucs en blocs entiers. Parce que c'est des dalles et du coup ils sont en envers. Voilà. Comme ça on va pouvoir construire dessus. Voilà. Mince, excusez-moi. Ici aussi. Et voilà. Juste ici, vous n'allez pas le faire. Là, tac, tac. Voilà. Comme ça, on garde le toit, on va dire, courbé. Ensuite, ici, vous allez prendre le 2. Et vous allez mettre ça comme ça. Et là, vous allez remonter 2. Jusqu'à là, tout le monde suit ou pas? On va faire 2. Et hop 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 hop. Et ensuite ici on arrive à la what the fuck. Alors non, j'ai rien dit. Ici vous allez faire ça comme ça et ça comme ça. Du coup ça on va le faire des quatre côtés. Du coup je vous retrouve une fois que vous aurez fait ça des quatre côtés. Du coup, votre bâtiment est censé ressembler approximativement à ça, si vous n'êtes pas foiré. Du coup, maintenant, on va passer au coin. Le coin qui est plus ou moins simple. Vous remplissez de 4. Et ici, vous essayez de passer le bloc juste au-dessus. Voilà. Voilà, assez simple. Voilà, je vais le faire avec vous. Donc, tac, tac. Tac, 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 hop, et celui-là on casse. Voilà, ici pareil, on fait un semi-carré, on va dire. On fait un carré et juste le dernier dans le coin doit être un petit peu surélevé. Voilà. Tac, tac, hop. Non, j'ai cassé une brique sans faire exprès. Voilà. Du coup, ici, vous avez la base, on va dire, du toit. Du coup, le toit il est assez conséquent comme ça, mais en soi ça passe bien. Du coup, maintenant vous allez prendre ici, on va avoir un double toit sol. En gros, ce que ça veut dire que vous aurez un toit, le toit il sera différent du plafond. Donc, ici vous allez remplir entièrement pour laisser la place, parce que comme ça vous pouvez foutre des trucs au sol, mettre des, par exemple des lampes au sol ou des trucs comme ça, sans être au plafond d'en dessous. Voilà, tout ça pour ça. Ici on va juste laisser un trou, je fais un trou approximatif, on va le laisser juste pour pouvoir passer plus tard. Vous n'êtes pas obligé de le laisser, hein. Moi je vais juste le laisser comme ça, vous pouvez le reboucher, de toute façon il sera rebouché. Voilà, ici tac, 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 voici. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la suite. Du coup, ici, on a le premier étage du château. Enfin, du château. Du truc, on dirait. Du coup, enfin, du truc. Voilà. Comme ça. Vous allez vous mettre un petit peu plus. On va tester différents trucs. Alors, on va fermer un petit peu plus. Du coup, ici, vous prenez des petite dalle. Voilà, on va fermer un petit peu plus des
petite dalle, voilà. Maintenant, c'est bon. Maintenant, vous mettez tac chaque dans chaque coin. Dans chaque petit coin. Voilà. Vous en mettez un au milieu. Milieu et milieu et milieu. Vous montez ça de 1, 2, 3, 4. Enfin, du coup, 5 avec le dernier. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, vous faites ça et je vous retrouve après l'ellipse. Voilà. Une fois ça de fait, on va faire les vitres. Du coup, vous remplissez comme ça. Faites un 4 par 4. Enfin, du coup, il y a 3, mais vous avez compris. Donc, je vous laisse faire ça et on se retrouve après l'ellipse, encore une fois. Du coup, après l'ellipse, vous devez vous retrouver avec quelque chose similaire à ça. Du coup, maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu plus con. On va poser des blocs de côté. Du coup, assez simplement, vous mettez à chaque fois les blocs ici. Je vais le faire en même temps que vous. Ça sera mieux. Donc voilà. Ici, dans les coins, on va pas faire la même chose. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Ici, dans les coins, vous doutez ça. Voilà, et on va faire ça comme ça. Question de design. Hop, hop. Hop. Et voilà. Du coup, vous cassez ça, vous posez. Vous cassez ça. Ah, non, je me suis trompé. Voilà. Et puis, voilà. Maintenant, ce poteau-là, on peut le loter. Il ne servira plus à rien. C'était juste pour faire le pattern, comme ça, vous ne vous trompez pas. Mais du coup, vu que maintenant, il ne sert plus à rien, on peut les ôter. Les poteaux intérieurs, on va les garder, ceux-là. Parce que ceux-là, ils font un petit charme. Parce que si on les ôte, ça sera tout blanc. Et c'est pas très très beau. Voilà. Du coup, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Et là, vous voyez qu'il y a un petit problème. Les vitres sont trop petites. Du coup, pas de souci. On va régler le petit problème. On va faire des vitres toutes petites. Voilà. Vous les faites de 3. Comme ça. Du coup, ça ressemble à ça. Je vais les faire avec vous. Vous rebouchez juste un côté. Le côté. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est symétrique. Nickel. Du coup, là, vous avez le deuxième étage qui est fait. Et on va pouvoir passer au toit. Du coup, le toit, comme d'habitude, vous allez remplir l'intérieur. Du coup, pour le toit, on va faire autrement. Vous allez rajouter un étage au-dessus de votre étage. Pas besoin de... Enfin, juste rajouter un étage pour pouvoir remplir. Vu qu'on a des tours, des trucs de 3, bah on va faire ça comme ça. Vous faites un contour, vous n'êtes pas obligé de changer le bois, c'est même mieux de l'ôter. Et maintenant, vous faites le sol comme à votre habitude. Hop, je vais le faire avec vous, vu que ça prend pas énormément de temps. Voilà. On va remplir ça. Et voilà. Du coup, le sol, il est le plafond de fait. Ensuite, ici, vous allez faire tout le tour. Comme ça. Voilà. On va faire tout le tour en pierre. Voilà. Maintenant, on va faire pareil qu'avant. Faire le tour en haut. Comme d'habitude. Voilà. Ensuite, nous allons faire les bords. Du coup, ici, vous allez faire un tour dalle. Hop. Voilà. Et ensuite, en dessous, vous allez refaire un tour. Ah non. Petite chose à faire avant. Avant, vous allez prendre des blocs de chaîne. Voilà.
Soit vous prenez cela, soit vous prenez cela. Moi, je vais prendre cela. Mince. Deux chaînes sombres. Très sombres. Comme ça, on va mettre ça ici. Mettez ça ici. Ça se marie très, très bien avec le bois noir. Voilà. 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 Et voilà. Nickel. Faites ça sur tous les murs comme ça. C'est assez conséquent et c'est assez simple à faire. Voilà, on va le reproduire après aussi ici. Mais d'abord, on va s'occuper du toit. Du coup, le toit, on va faire pareil qu'avant. Vous allez faire ça comme ça. Vous allez faire ça comme ça et vous allez faire tac, tac, tac. Vous allez descendre pareil qu'avant. Vous allez descendre juste deux, trois blocs. Voilà. Vous allez juste descendre trois blocs. Les trois devant les fenêtres. Voilà. Et là, vous allez remonter là. Du coup, on va faire ça. Je vous laisse faire ce petit pattern tous les côtés et je vous retrouve après l'ellipse.
Du coup, petit problème que j'ai remarqué quand j'ai fait le toit. Ici, avant, c'était comme ça, et comme ça, et comme ça. Du coup, vous allez changer ça et faire juste ça, et ça. Voilà, comme ça en haut. Comme ça, si vous voulez voir, c'est pareil qu'en bas. Donc, c'est toujours la même chose. Il y a toujours trois comme ça, trois comme ça, et trois comme ça. Seulement là, c'est trois, là, c'est deux. Après, et là, c'est deux aussi. Voilà. Du coup, ça garde toujours le même style, on va dire. Ici, après, on va faire ça comme ça. Faites ça comme ça. Parce que j'ai oublié avant de finir l'étage. Voilà. De finir ça comme ça et de casser par en dessous. Voilà. C'est quand même mieux. Voilà. Du coup, là, il y a un joli temple qui se crée. Qui est bien symétrique et tout, c'est bien. Ensuite, au milieu, vous allez faire une petite croix. Donc, le milieu, il est là. 1, 1, 1, 1. Vous montez de 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à là, on a la hauteur, on va dire, du toit. Vous faites le petit tour. Voilà. Petit tour, vous allez remplir l'intérieur. On va jamais laisser l'intérieur vide pour éviter d'avoir des mobs qui spawnent. Donc vous remplissez l'intérieur. Si vous êtes en survie ou en... Ouais, si vous êtes en survie, faites-le avec des autres blocs pour être ou mieux éclairé. Peu importe. Après, c'est à vous de voir. Ok, du coup là, on va faire 1, 2, 3. 1, 2. Donc il y a 5 en tout. Vous allez faire ça de tous les côtés. Donc 1, 3, 1, 2. Donc le milieu est 1, 2. 1, 2. Le milieu 1 et 2 et 1 et 2. Voilà. Jusqu'à là, on a taillé à peu près
Maintenant on va tailler dans. Maintenant on a sculpté. On a sculpté, on va sculpter le toit plutôt. Casser ces deux blocs là. Voilà, on va casser le coin du carré qu'on a fait avant. Parce qu'on en aura pas besoin. Voilà. Du coup maintenant on va faire un petit carré qui fait 1, 2, 1, 2, 1, 2 et 1, 2. Partout sur ça, on va faire un gros carré. Voilà. Faites comme je fais et ça ira bien. Donc c'est un carré de 1, 2, 3, 4, 5 par 5. Carré de 5 par 5. Normalement, si tout se passe bien, vous devez en rester 3 en haut. Voilà. Du coup, jusqu'à là, c'est bon. Alors, ensuite, ici, vous allez poser un bloc par-dessus. Ici, vous allez poser un bloc par-dessus. Et ici, un bloc par-dessus. Et là, aussi un bloc par-dessus. Toujours au même endroit. C'est bon. Tout le monde l'a fait. C'est bon. N'hésitez pas à mettre pause. Si vous avez bien. Du coup, là, on fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, on pose des blocs ici. Voilà. Parce que là, c'est bon. Et maintenant, on va passer au toit un petit peu plus vertical. Vous montez comme ça. Du coup, vous gardez le pied du milieu. Et vous montez tout le coup. Vous avez entouré le pli du milieu avec deux blocs. Du coup, le pli est là. Et voilà, ça donne ça. Maintenant, vous faites 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 1, 2. Maintenant, on va passer enfin aux escaliers. Du coup, les escaliers, vous les posez à chaque fois devant. Vous en posez un là, un là. Un là, un là. Un là, un là. Voilà, c'est bon. Tout le monde a fait ça. C'est bon. Maintenant, vous posez un bloc là, là, un bloc là, et comme ça. Maintenant, vous avez fait à peu près le tout. Maintenant, on va poser un bloc par-dessus. Enfin, une dalle plutôt par-dessus. Voilà. Et maintenant, on va passer à la pointe qui sera faite en bois. Qui sera faite en bois. Du coup, vous faites 1, 2, 3, 4. Voilà. Du coup, une fois que vous avez ça, vous posez un bloc, un bloc, un bloc et un bloc. Pardon, je suis cassé le truc. Voilà. Parce que là, tout est bon. Suivez. Posez une dalle, une dalle, une dalle, une dalle. Et maintenant, vous pouvez mettre ce que vous voulez au-dessus. Vous pouvez mettre un drapeau, une bannière, ce que vous voulez. Moi, je vais plutôt mettre ça comme ça. C'est plus mon style. Voilà, c'est un petit peu plus mieux, on va dire. Ouais, là, vous posez une dalle aussi. Pour que ça soit moins grand d'un coup. Voilà. Là, nous sommes sur le bloc entier. Jusqu'à là, vous m'avez suivi. Donc maintenant, on va juste finir par ça. 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 Beaucoup de dalles et c'est pour ça le toit, il est très compliqué. Très, très technique. Voilà. Du coup, là, vous avez votre temple. En haut, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre ça comme ça. Ou je vais plutôt mettre ça comme ça. Mais pour ceux qui veulent, vous pouvez mettre un drapeau. Ou un fanion ou ce que vous voulez. Parce que bah faites comme vous voulez, si vous voulez mettre un fanion, un drapeau, quelque chose, n'hésitez pas. Voilà, du coup là on a plus ou moins fini le toit. Mais là le toit il est un petit peu trop basique. Du coup on va le finir mieux. On va essayer de faire. On va essayer de faire du coup le reste de l'extérieur.
Du coup là vous avez mis ça, là vous avez mis ça, là. Là c'est bon, on met pas les blocs, les dalles, parce que sinon ça fera trop. Et ici on va juste essayer de se concentrer un petit peu sur l'extérieur. Parce que bon, c'est pas que c'est un petit peu simple, mais voilà. Vous avez vu ce que j'ai fait? Je vais vous le remonter là-bas. Du coup, vous faites 1, 1, 1, 2, 3 et 1. Ok. 1, 1, 1, 2, 3, 1. Et là, pareil. 1, 1, 1, 2, 3, 1. Voilà. Maintenant, on peut aussi modifier un petit truc qu'on n'avait pas pu faire avant. C'est de baisser le toit ici. Tout ça, c'est des petits détails, mais qui changent beaucoup de choses. Ça donne beaucoup plus de relief au toit. Voilà. Je vais le faire avec vous. Donc, c'est des petites choses. Comme ça, c'est bien fait. Voilà. Du coup, là, on a fini l'extérieur du temple. Plus ou moins fini. Pour la décoration, je vous laisse tout ça dans une autre vidéo. Du coup, ça sera la vidéo la suivante. Ça sera la suivante vidéo. La suivante, ouais. Ce sera la prochaine vidéo plutôt. Et je vous laisse là-dessus. Au revoir.